D'intenses combats ont repris ce dimanche près de Misrata, la ville rebelle de l'ouest libyen assiégée depuis plus de 2 mois par les forces gouvernementales. Dans le port, une immense colonne de fumée noire se dégage toujours des dépôts de carburant, en flamme depuis un bombardement par les pro-Kadhafi samedi matin. Tout a été détruit, déplore ce résident de Misrata. Ce tank était plein de carburant, de gasoil et d'essence. Ils les ont tous détruits, les trois qui étaient pleins. Ils ont détruit ceux qui étaient pleins, pas ceux qui étaient vides. Les rebelles soupçonnent la présence d'un informateur de Tripoli parmi eux. Avant cette attaque, Misrata avait assez de carburant pour tenir 3 mois. Des queues commencent à se former à la pompe par crainte de pénurie.